Salut, une petite peste mojo de YouTube, notre nom pour la suite de du Endgame Renaissance avec tous les personnages morts du jeu. Donc vous étiez dans le... je sais pas quoi, et salut le chat de Twitch. Aussi, au passage. Ah oui, je m'étais fait raid par un dragon noir hier. Tiens, bah revoilà monsieur le dragon noir. Je vais encore me faire raid par un dragon noir. Ok. D'accord. Bon, Bah, il y a des problèmes d'asthme, d'après ce que j'ai compris. Je vais encore me faire viol par le dragon noir. Là, je vais vraiment pas avoir un shot farmé. Non, sa mère. Et salut, Angiox. C'est pas inconnu, Angiox, c'est pas la première fois qu'il vient, mais bon. Fail. Itaï, je vais encore me faire défoncer par ce connard de dragon. Bon, bon, c'est mort, hein. Oui, c'est bien Phila, mais je sais pas. Bon. Si je retombe encore, c'est un putain de dragon. J'ai vraiment la poisse du siècle. Bon, je suis pas tombé sur un dragon. Oui, c'est Strike Air. Bah ouais, je suis content, même si j'étais au courant de rien. Déjà, on protège l'unité qui soigne. Oh non, fossilisation de mer. Eh bien sûr, direct. Vous aurez toujours les pubs normalement. Après, je sais pas comment ça fonctionne le paternariat. Bon, bah, je vais encore me faire rec. Parce que dans tous les cas, je n'ai pas. Ouais, je vais encore me faire rec. J'ai pas de défigeur. Bon. J'y connais rien moi là-dessus, Angiox. Donc, bon, hein, on va reset. Hein. Apparemment, ici, c'est la zone de merde où je peux rien faire. C'est la zone où je me fais violer sur place. Donc, je crois que je vais retourner en arrière. Je vais essayer de retourner en ville, m'acheter tout ce qui est item pour me soigner des changements de statut de tout bordel. Parce que là, s'il y a des connards qui fossilisent, bah je suis dans la merde. Car si c'est lui qui s'est fossilisé, bah je peux guérir personne.
Ce château va être bien merdique à faire. Surtout quand on a des personnages peu haut level. Salut Mala. Oh, un bon drop. Ouais, on vient de me le dire aussi, j'étais pas au courant. C'est eux qui sont arrivés, m'ont dit. Et c'est pas nous qui gérons le prix de l'abonnement, hein. C'est Twitch qui impose 5€, hein. Je savais même pas que j'avais eu cette option de débloquer, tu vois, je viens de l'apprendre. Ils sont arrivés, ah tiens, on peut s'abonner maintenant. What? Depuis quand? Je pensais pas que tu pouvais... Normalement, si je me souviens des règles de lecture des pour devenir partenaire Twitch, c'était marqué soit avoir minimum 500 personnes à chaque stream, ou avoir sur YouTube 100 000 abonnés, ou 10 000, je sais plus. C'était ça les règles sur Twitch utilisées pour devenir partenariat. Les conditions de partenariat. Avoir minimum à chaque stream 500 spectateurs, ou avoir 10 000 ou 100 000 abonnés YouTube. Je ne sais plus le chiffre précis. Et je ne remplis aucune de ces conditions. Aucune. Voilà. Ok, bah merci d'être fait passer un petit coucou en gueule, et bah bonne orale et bonne chance, hein. Ouais, là, comme d'hab, ma coup de merde. Ah non, pas folie. Allez, deux mecs en folie, super. Allez, rip Minmou. Allez, rip Joseph. Eh hey, fuck! Faites chier avec votre faute de merde, bande d'enfoirés de fils de pute! Oui, je suis poli!
Je supporte pas ce changement de statut dans le jeu. Ah ouais, direct folie, enculé. Là, j'ai 3 mecs sous folie, youpi. Ouais, mon Hulk est en folie, youpi! Le chat est à l'heure actuelle endormi et choqué. Ouais, et comment on fait un sub? Parce que moi, pas avoir d'idée là, hein, les gars. Hein. Je vois pas comment on pourrait fêter ça, personnellement. Pas la moindre idée. D'ailleurs, j'ai le touch à l'air, faudrait voir si ça fonctionne. Un petit test. Lol. Allez, rip toi. Les viols. Oh là, Blue! Je suis tellement en train de me faire défoncer l'anus dans ce donjon. Bon, la fuite est un repli stratégique là. Je vais pas avoir le choix, c'est si je suis pas là, je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Et voilà! Allez, un game over, allez hop, c'est parti. Youhou! On enchaîne les game over! Salut Chiki! Ben, ce donjon commence à me péter les couilles!
Je vais à peu près bien, à part que ce putain de donjon me roule sur le cul. Littéralement. Ouais, direct, je me fais viol. À peine commencé le reset. Viol parfait, allez, autant reset tout de suite, ça ira plus vite. Ben, ça fait 20 minutes que tu joues et je me fais viol depuis 20 minutes. Tout va bien. Une renaissance, ouais. Renaissance, mon cul. Viol à l'étalage parce que personnage sous merdique niveau level, ouais. Ouais, là, j'ai pas le choix, là, Blue. Sauf que ça me fait chier. J'ai pas le choix de farm, mais ça me fait chier. Putain, les pires mobs que tu peux rencontrer au monde dans ce donjon, là. T'as les connards qui foutent en folie. Ah, mais non, mais je déteste le mode renaissance, là, de merde. Parce que la plupart des personnages que t'as, c'est des brels. Y a seulement Ricardo qui vaut le coup, niveau dégâts. Salut Laria. Mais j'ai pas le choix, je peux pas finir le donjon. J'ai pas le choix, c'est le jeu qui m'oblige là. J'arrive pas à passer le deuxième étage cette tour. Je tombe face à un dragon noir. J'arrive pas à le tuer parce qu'il me défonce l'anus. Car je lui fais aucun dégât. Là le jeu me force à farmer, j'ai pas le choix. Même avec de la stratégie, je peux pas passer les mobs. Parce qu'il me roule dessus littéralement, parce que je suis tellement under level, c'est comme si j'étais niveau 1 et les mobs étaient niveau 100 quasiment. Bon, niveau 50. Ce donjon, c'est l'enfer. Le chapitre renaissance, c'est de la merde. J'ai pas le sort saigné. Laria, à l'heure actuelle, j'ai fait tous mes RPG sans jamais farm une seule fois, hein. À part quand je fais les boss optionnels des jeux, genre dans FF10 ou FF7, ou voilà. Mais sinon, je farm jamais quand je fais l'histoire de base, hein. Jamais, hein. Car en général, les boss de l'histoire, même sans farmer, j'arrive toujours à trouver une astuce de gameplay pour lui rouler dessus, comme j'ai fait hier sur le boss de fin. Où je l'ai littéralement saigné à mort le boss. Je l'ai saigné à mort le boss. Littéralement. Ah là, je fais l'histoire là. Pour faire le jeu, je farme jamais moi. Je farme jamais. Il n'y a que pour les boss cachés of the dead, super cheatés, que je farme. Sinon, pour le reste. Ah oui, non, mais il est salé. Ah non, mais il est tellement salé, ce donjon. Le mode renaissance, il est tellement salé. M'obliger à farm. Or, je déteste ça, alors que ça m'ennuie au bout de 5 minutes, quoi. Je hais ce donjon. Je hais le chapitre renaissance. Yo, Fouyouk. LOL, Mala. Toi, le mini Satana, ta gueule, tu crèves. Je t'aime pas. Non, mais tu les as envoyés en entraînement, j'appelle ça du farm. Allez, hop, ripampé, toi. Pourquoi l'autre connard, il est pas encore mort?
Crève, fils de pute. Merci. Bon, tu me laisses ressusciter toute ma team, toi, ça serait sympa. Farmerchinard.com. Bah ouais, c'est le chapitre naissance, c'est une purge. C'est une putain de purge. Le château inconnu. Oh, un architectium! Oh, un tomatonium! GG, tu as eu la chouchou de Maru. Bon, maintenant il s'agit de pas crever, donc on va sauvegarder. J'ai eu des bons trucs, hein. Parce que je peux mourir avant de revenir en ville, là. Bon, faut que je farme la magie, un minimum. Ouais, mais en fait, j'arrive pas à atteindre le deuxième niveau, Fouyouk. Littéralement, je me fais viol, hein. Je tombe face à des ennemis qui me roulent dessus en deux secondes. Rip en paix les gars. Rip en paix les gars. Ah. Thank you.
Rip en pé et rip en pépé. Oui, mais alors, dans ce jeu, pour fuir, c'est quasiment impossible. Pour ce jeu, dès qu'à chaque fois j'essaie de fuir, bah je crevais. Donc j'essaie même plus de fuir à l'heure actuelle. Hein. Je me fais rouler dessus, rouler dessus, rouler dessus, rouler dessus, rouler dessus. Bah dans les RPG normaux aussi tu peux les snob si t'arrives à fuir. Oui, Fuyuk. T'auras la tranquillité au moins. T'auras la tranquillité. Ouais, j'avoue. Ça dépend du point de vue. Non. Mais ça me fait peur quand tu dis ça. Ça me fait très peur. La manière dont je le dis, ça me fait peur. En pneumonie, c'est le nom d'une maladie. C'est pas le... C'est pas... Et en pneumonie, c'est pas une seule médecine où on... Ça, c'est le nom d'une maladie, la pneumonie. C'est pas une salle où elle est... Ouais, je vois mon personnage qui a 3500 HP. C'est pas suffisant pour là. T'inquiète, je vais se garder, mais je crains rien en ville. Je crains rien en ville. Ah bah, rip. Après, je sais pas trop ce que ça fait donc. Bon, des défigeurs, il m'en faut. Ok, d'accord. En gros, faut que je fasse le truc aussi long que le reste du jeu, quoi. Yeah. Donjon de merde. Bon, finir ou pas finir Renaissance, là? Thank you.
J'ai presque envie de te dire que oui, mais bon. Je suis court et persévérant, malheureusement. Ouais, faut lancer un Stropole. Vous voulez que j'essaye de finir Renaissance ou pas? Parce que personnellement, je m'en fous, personnellement. Pour ma chaîne YouTube, je dirais, bah en fait, la fin, parce qu'en fait, faut farmer comme une pute. Je sais plus c'est quoi la commande pour faire un Stropole sur avec le bot. Parce qu'avec le bot tu peux faire des Stropoles donc. J'aurais peut-être pas dû aller à cet étage. Donc finis this shit. Bon bah on va finir les 45 minutes pour la vidéo, puis je passerai sur du Pokémon et je finirai pas en fin de vidéo, je prononcerai rien. Ouais, je peux bien comprendre. Bon, on va passer sur du Pokémon alors, car il faut que je fasse des tests pour voir si je peux faire faut que je fasse demain, faudra que je fasse des tests si je peux faire FF3 en mode let's play live ou pas avec Mako, si ça veut pas rendu trop dégueulasse. Bon, on finit 45 minutes puis on s'arrête là, on va dire hein. Aucun intérêt. Bon bah rip Joseph. À peine revintu, remortu. On va plutôt XP mes alarmes sur l'autre truc. Et peut-être qu'un jour je reviendrai sur le jeu. Peut-être un jour. Bon, en attendant que ça aille les 45 minutes, on va augmenter la maîtrise des haches de tous mes personnages. Étant donné que j'ai plus aucune maîtrise, donc j'arrive plus à taper. Non mais pas besoin Laria. Bonne idée mais pas besoin, tout le monde est d'accord sur le fait que on veut pas me voir farmer pendant 3 heures. Ah, je suis Pokémon. On n'est pas dans South Park. Ouais, je finis juste les 45 minutes de la VOD, puis je passe sur Pokémon. Vous voulez votre soirée Pokémon, bah vous l'aurez, hein. Bah bien sûr que j'ai la référence. J'aime bien ce Spark, c'est marrant comme connerie.
Ok. RIP Scott. Bah ouais, y a pas sa mère, tu vois. Ça a davantage d'être seul. Alors, Mala. Ah, maman aussi, tout à l'heure, j'ai eu un petit orage, mais il a pas duré, j'étais dégoûté. Moi, j'adore les orages, moi. J'adore l'orage. J'adore, moi. Moi, je m'endors avec une nuit d'orage, mais je fais les meilleures nuits au possible, quoi. Mais il est pas resté, tu vois. Il y a un peu de pluie qui est tombé pendant 5 minutes, il y a, il y a eu deux éclairs, puis on se barre. J'étais déçu. Ah, ça fait du bien, moi, personnellement, depuis le temps que j'attendais un orage pour rafraîchir le temps à mort. Mais je m'en fous, il y a un jour, je me tenterai quand même de finir le jeu. Il y a un jour, je ferai quand même la phase de farm, parce que j'ai quand même envie de voir ce qui se passe. C'est quoi le boss à 25 000 de HP Il y a un jour où je ferai la phase de farm pour ce jeu. Parce que personnellement, j'ai déjà farm dans FF10. Quand j'ai fini le jeu full platine en 86 heures, t'as des gens qui m'ont suivi sur mes phases de farm. Donc il y a des gens, le farm, ça les dérange pas de regarder. Je ferai le farm un jour sur ce jeu. Pas maintenant, mais... Ah, moi, quand il y a de l'orage, je dors comme un loir, moi. Je la ferai un jour, quand même, parce que je veux pas mourir con. Je veux voir la fin de Renaissance, voir ce qui se passe une fois que t'as battu le jeu. Ils crèvent, ils vont au paradis, ou ils reviennent dans le monde des vivants. J'ai envie de voir quand même ce qui se passe à la fin du truc. Ouais, mais c'est bien, compris. On va dire que ça, c'est le donjon optionnel du jeu, faut farm comme un porc. Bah ouais, vu que toi t'as Monster Hunter, c'est sûr. Renaissance, la fin prématurée. Renaissance, la fin prématurée. Pour cause de farm. Renaissance, fin prématurée pour cause de farm abusive. Ça sera un titre à la con comme ça que je vais mettre. Me connaissant. Ouais, les titres à la con. Le DLC de Breath of the Wild en mode expert. Que j'ai acheté il y a 2 jours. Que je compte faire. Une fois que j'ai fini FF10, bah ça sera le jeu qui remplacera le truc au massage. Ah, je vais le faire, hein. Je finirai FF10 en live sauvage, et une fois que j'aurai fini FF10 en live sauvage, on se trouvera du Zelda en mode expert. Bon, on va arrêter la phase de... On va arrêter l'épisode là-dessus, hein. C'est sûr que ça fait bizarre. Donc sur ce, mes petits pèses bonjour YouTube, donc je laisse en, pour l'instant en plan le chapitre Renaissance, parce que apparemment faut farmer le jeu comme une pute pour atteindre le bon level. Donc on va dire que pour l'instant je suis pas vraiment motivé, parce que déjà de base je n'aime pas le farm. Donc pour l'instant ce let's play est en pause en mode durée indéterminée. Donc sur ce, le chat de Twitch, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Pokémon. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce let's play sur Final Fantasy, et à la prochaine, et salut salut.